te taille la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Salut Croutel. Wesh. Ça va? Ouais. T'écoutes quoi? Du PLS. Du PLS? Oui. C'est un truc pour les troisième âge, non? Je connaissais pas. Si, si, c'est bien. Coupe ta merde, là, parce qu'on a du boulot. Dis donc, j'avais opté pour le vertical, vous. Et vous l'horizontal. Jérôme est banal. Bon alors, Croutel. Oui. Quelle est l'idée aujourd'hui? Il se trouve que j'avais encore jamais joué à des jeux, comme ils disent, en RP, là. Qui veut dire quoi? Real player, non? Vrai joueur. D'accord. Je vous me fais dans confiance absolue. Comment s'appelle le jeu, déjà? C'est Life is Feudal. Comme Minecraft, mais c'est plus joli. C'est pas des cubes à la... Le mot est apparu sur l'écran. Les ah gens bon ont vu. Quand même, on remercie au passage Xopion qui a offert le jeu à Croutel. Xopion m'a introduit. Oui. Voyez, on est comme ça chez Copa du Web. On est proche de notre public. Ce qui nous a permis d'entrer dans le jeu. Faut montrer pas de blanche. Faut montrer pas de blanche. Pas de blanche, c'est une expression. Et il y a des règles très précises, hein. Attention. Ouh, ah oui, est-ce qu'il y a un chef suprême, un maître du jeu? Il y a plusieurs admins, quand on s'est un peu planté dans des constructions et tout ça, ils viennent nous aider. Le premier jour, j'étais bugué dans un... entre deux rochers. Là, j'ai appelé au secours. Au secours! Non, parce qu'on tape... Ah, à l'écrit. En plus, je sais que vous adorez écrire. Ah, j'adore. À l'aide de deux doigts. Et ils m'ont débugué. Petite claque aux fesses et ça retourne au boulot. On va y aller, peut-être? Ah oui, donc là c'est un village. Vous voyez, je vais vous montrer des bouses par exemple. D'entrée de jeu, vous me présentez vos bouses. Vous voyez, là j'étais sur le fumier de basse qualité, c'est pour ça que je vous dis ça. Dis donc, il va me faire parler sur un autre ton. Hein. Là, est-ce qu'il existe des fumiers de haute qualité? Oui. Vous avez vraiment fait le meilleur choix capillaire. T'exagères, c'est toi qui m'as déguisé. C'est toi qui as fait mon personnage. Mais idole de Joe de la Faucheuse, mais c'est que des insultes, les mots qui apparaissent non, à l'écran. C'est une idole, c'est pour faire des prières. Ça. Je vais vous montrer, je vais faire une vous prière. Vous connaissez le mot itifalique? Tout ce qui est monument en forme de tub, finalement. Couvert de sang, c'est immonde. Ce monde est hostile. Le Moyen-Âge, c'est hostile. Voilà, il y a une autre charrette qui est apparue. Là, on dirait Jésus qui découvre qu'il peut multiplier les charrettes. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Vous avez plus votre charrette là? Si. Oh merde. Ou alors vous avez Zizi Bâton. Vous avez joué combien d'heures à ce jeu? Tais-toi. Quand je panique comme ça... Est-ce qu'on peut parler de panique? Oui, oui. Il était une charrette, tirez les gars. Il était une charrette. Oh, bon, on a appris à placer des charrettes. Maintenant, alors, qu'est-ce que c'est que cette grosse statue? C'est vous qui avez fabriqué ça? C'est le chef de clan, il doit être un peu mégalo. Ah, d'accord. Il a acheté ça 150 pièces d'or au marché. En euros, ça fait à peu près. Ah, bah, j'en sais rien. Bah, c'est combien du pain dans le jeu? On vend pas de pain, nous. On vend que. Je suis pas encore allé au marché. Ah, bah, on va au marché. Alors, il est pas ouvert. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce jeu? Parce que s'il n'y a plus personne, bah, que tout est fermé, ça s'appelle la province en France et c'est chiant. Et oui, mais ils sont plus là, les gars, ils viennent plus jouer. Et les mecs, ils s'arrêtent du jour au lendemain, c'est le pouf. Je comprends pas ça. Ben, un soir, ils sont sur un jeu, le lendemain, ils sont sur un autre. Fortnite. Oh, il y a le feu là-bas. Ah, vite! Et c'est chez nous, ça. Oh là là! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Mais je peux pas y aller parce que. Pourquoi? C'est plus mon territoire, donc, c'est rouge. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire dans ce jeu, finalement. Hein. Mais je peux pas aller sur son territoire. Pourquoi? Il se passe quoi? Je vais y aller, on verra bien. Oh là là, les feux d'alerte sont allumés et ils ont démoli tout. À mon avis, ça c'est une agression. Il faut enquêter. Mais j'ai pas d'armes, moi je suis un cul nu. Hein. T'es un cul nu? Ah bah oui, ils m'appellent comme ça. Les gens dans le jeu t'appellent tous cul nu? Oui. Il faut que je prévienne le chef. Tu réponds là en dessous, ouais. Là où il y a Zizi. Et puis tu lui dis. Qu'est-ce que tu étais en train de lui parler de quoi là? Non, de ton Zizi? J'ai dû appuyer ça bêtement sur le Z. Tant si les gens veulent te voir en vrai avec la webcam, tu dis non. Hein. Enlève, oui. Oui. Ils ont voulu me foutre à poil. Qui? Mais dis-moi immédiatement, ils vont m'entendre. J'étais en train de pêcher au bord de l'eau et il y a 8 hommes armés avec. Quoi? Qui sont venus et puis ils m'ont dit donne-nous ton poisson. Oui. Bah, je voulais pas le donner. Ah, donc alors, tu l'as pas donné. Tu les as pété la gueule. Non, non, j'ai donné des poissons de basse qualité. Ah. Et j'ai gardé le bon. Et puis là, ils ont dit fous-toi à poil.
Comme j'étais au bord de l'eau et j'ai gardé mes fringues. Qu'est-ce que c'est que ce geste? C'est ma gaule. J'étais avec ma gaule. Et lui avec sa gaule. Bah, quand j'ai vu qu'ils allaient me faire la peau, je suis parti en nageant. Mais eux, avec leurs armures, ils n'ont pas voulu aller dans l'eau. Ah, bah oui, cool. C'est trop lourd. Ah. Donc j'ai réussi à leur échapper comme ça. J'ai fait la fierté de mon clan. Alors, je lui dis quoi? Des feux d'alerte de Augustin sont allumés et ses portes sont ouvertes. Mais plein de points d'exclamation. Ça, c'est bien. La vie est féodale, je trouve. Ah oui, ben rigole pas. Je rigole absolument pas. T'as vu la baraque qu'il a, le salon? Il a un beau lit, hein. J'aimerais bien habiter là, moi j'ai une paillasse. Ils t'ont pas donné un lit dans ton plan? Ah ouais, je suis quand même... Putain, mais ils abusent. Et t'as vu toutes les clôtures, là? Oui. C'est moi. T'as fait 700 km de clôture, et tu dors sur une paillasse? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un bestiau, là. Un loup? Adopte-le immédiatement. On peut pas adopter les loups. Mais comment il fait, Jon Snow? Mais t'auras un copain loup, après tu seras un... Qu'est-ce que c'est que ça? Ils pourront plus te dire qu'une nu. Ah, son claim vient d'être pillé. Je viens de l'avertir. Mes petits amis, il se passe de l'action. Bah, moi, je suis... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Saucé, là. Va chercher un loup, d'abord. Non, il y a rien, il est pas là. Mais... Comment il est pas là? T'en sais rien. Mais Augusta, il va nous respecter loups, si on a un loup. Je veux un loup. Je veux un loup. Oui, mais tu veux, il va me bouffer. Mais on sait pas, ça se trouve, c'est un gentil loup. J'ai même pas un couteau, j'ai rien. J'ai que ma bite. Mais ne t'en... Il va y avoir une mort en direct. Ah, c'est ça que je veux voir, moi. Il n'y a plus rien dans les charrettes. Hein, ils sont rentrés dans la baraque. Hein. Ils sont rentrés partout, mec, tu crois quoi? Bon, on fait un petit point d'étape. Il y a un gamin qui a laissé son clan. Pas entretenu. Du coup, vous êtes fait gauler. On s'est fait piller. Là-dessus, il y a le chef qui déboule. Vert de dégoûté. Dora, même pas, c'est une colère froide. Parce que là, il a plus envie de jouer. Fini les cons, là. Maintenant, il lui reste plus qu'un couillon et qu'une nu. Donc, il a lancé un message. Vent, t'es trois. Donne, carrément. Et donc là, il y a un gars qui se ramène. Donc là, ils sont en train de lui faire la visite au petit nouveau. Et vous avez eu une petite description de comment le chef voit Croutel. C'est un petit moment émouvant. Croutel, c'est le malheureux qui y est pour rien dans l'histoire. Et il a beaucoup, beaucoup œuvré pour le Clem avec toujours un très bon état d'esprit. Il verra qu'il est toujours là, il continue d'avancer et tu le vois, quoi. Ça se voit et ça se sent. Alors, je vais avoir des nouveaux chefs. Ils n'ont pas proposé à Croutel de redevenir chef du clan. Non, bon. Un chef de 72 ans. Bah, ça me semble pas complètement logique. Oui, sauf qu'il y a de la baston. Je croyais que c'était un endroit où il n'y avait pas trop de baston. Oui, mais on se loue comme mercenaire. Ah, sur vous avez un site internet, cherche mercenaire. Non. Hop, il te met une photo non, de vous. Non. Hein? Où il est là, le loup? Oh, il y en a deux. Allez, oui, boum. Ah, mais son casse-couille, il fuit dès qu'ils sont en galère de vie aussi. C'est pas complètement étonnant. Hein. Je suis là, devant toi. Ah, mais il est où, lui? Putain, quel dingue. C'est un carnage. Si vous voulez faire les pots, les gars. J'ai pas de couteau à dépecer, moi. Je vais fournir des couteaux en métal. T'as gagné des couteaux? Eh, mon cheval. C'est pas moi. Hein? Si, c'est toi qui me l'as piqué. Le bâtard, eh. Tu lui rends son cheval. Bon, on veut le couteau, nous. Sinon, j'imite ta voix et je lui demande. Bah alors, donne-moi mon couteau, bâtard. Du coup, il y a un petit nouveau qui est débarqué. Ils sont en train de lui apprendre la vie. Croutel panique un peu parce qu'il a peur que le petit nouveau n'y connaisse rien parce que les jeunes, de toute façon... C'est pas ça. Il faut un homme d'expérience pour gérer une baraque comme ça. Et pourquoi vous vous dites pas au micro? Eh oh les petits gars, c'est qui a 72 ans là-dedans? Mais c'est pas là, je suis con. C'est qui a les plus grosses baloches dans le... C'est qui a fait tout le mur, là? Ah ouais, ça... Alors vous fermez tous vos petits claques-merdes. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est le nouveau, ça. Et voilà, il ne voit plus que ça. Et c'est lui, voilà, c'est son chouchou. Et moi, je suis de la merde. Croutel est jaloux, il y a un nouveau cul nu. Enlève tes fringues, peut-être il va te regarder à nouveau. Ah oui, il se demande ce qu'elle fait là, la charrette. Oh, chut, tu dis pas, casse-toi discrètement. Ah là, ça y est, il vient m'engueuler. Il vous frappe? Non. Vous me dites, hein. Je m'en vais. Ouais, barrez-vous. Tracez votre route, j'ai envie de dire, là. Je suis désœuvré. Life is Feudal, c'est un jeu de merde encore? Là, j'ai plus envie. Oh merde. Bon, c'est un véritable drame. On vient de vérifier. C'est 255 heures d'heure de temps perdu dans votre vie. Oh le bordel. Tout ça pour rien. Si. Ah. Quand même, on tient là. Jusqu'à 2 heures, c'était... Je l'ai, mon poisson de bonne qualité. Là. Il y a 2 heures, j'étais bien. Et tout ça, en crocs, messieurs, dames. Je ne sais même pas si je vais rester à tourner, un épisode avec tu ça. Tu ne peux rien faire. J'étais un Croutel Gaming particulier, voilà. C'est la cata. Un peu de drama, là. Eh, dis donc, vous avez un joli pin, ce Croutel, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah c'est le même que moi. Bah oui. Aïe. Si vous voulez vous procurer le vôtre, je mets le lien dans la description. Il est à vendre sur Utip et ça permet de soutenir la chaîne. Comme... C'est quoi Utip? Utip, c'est un site comme Tipeee, c'est un truc où on peut faire des dons ou alors acheter c'est des pins. C'est pas YouTube? Oh là là, bon.
Concentrez-vous sur les jeux vidéo, je fais le reste. Post-scriptum. Quelques mois plus tard et contre toute attente, nous apprîmes qu'après quelques jours de dépression, Croutel le dénudé fut désigné nouveau grand chef de son illustre bourgade. Ce retournement de situation lui valut donc quelques 500 heures supplémentaires de jeu. Puis, lassés sans doute de voir 72% du royaume d'Asgard recouvert de palissades, les admins décidèrent de remettre le serveur à zéro. S'ensuivit une deuxième phase de dépression pour Croutel le dénudé qui partit finalement en exil sur les terres hostiles et cubiques de Minecraft. Je vous propose qu'on se quitte comme d'habitude sur une petite danse. To the go! On se lasse pas.